Et bonjour YouTube, vous arrivez pile poil pour le début de la game. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ah non, je voulais prendre un arc. Je prends une tire du coup. Ah, je voulais prendre un petit arc, je vais acheter du beurre arc là aujourd'hui pour commencer la journée. J'espère que vous allez bien, on est mercredi. Incroyable, on est mercredi aujourd'hui, ça fait plaisir évidemment. On s'en fout mais c'est pas grave. Et aujourd'hui, on stream évidemment à partir de 10h, jeudi aussi et dimanche et samedi à partir de 9h du matin. J'ai lancé un petit sub goal pour faire une game de. Enfin, pas une game, pour faire quelques heures de stream de League of Legends. Voilà. Donc, peut-être que ce mercredi soir ou ce jeudi soir, on fera potentiellement quelques games de LoL. J'ai pas joué depuis éternité. J'ai eu un petit niveau à l'époque, à la saison 2, j'avais 2170 d'Elo. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les. Enfin, s'il y avait Platine, c'était le max à l'époque. Et j'étais monté haut, hein. J'étais monté dans le top 100 EU à peu près en termes de classement à l'époque. Il n'y avait pas Diamant, Master, etc. Ça n'existait pas, mais bon, c'était à la belle époque. Alors, on va voir ce qu'on récupère. Moi, ça commence, je trouve que Abo, c'est comme je l'ai dit dans la vidéo des compos. J'espère que vous avez vu la dernière vidéo des compos parce qu'elle est intéressante. Ouh, Riven, bah tiens. Je crois qu'on parle de Riven dans la dernière vidéo des compos, non? Est-ce que ce serait pas l'occasion de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait avec ma Riven? Parce que j'ai une sortie pas mal là potentiellement pour la Riven. Hein. Regardez-moi ça, tac tac. Alors on pourrait faire Runan, Oj éventuellement. Alors on pourrait également faire un blue buff pour Madame Karma. Karma. Mais c'est vrai que la dernière vidéo des compos on en parle, donc c'est vrai que ça peut être un bon moyen. C'est vrai que c'est sympa d'essayer de faire comment dire, des games en écho à la vidéo des compos. C'est quand même vachement intéressant. Alors j'ai un Arctir, bon là c'est clairement une belle. Oh alors j'ai Nocturne aussi. Alors là, non, je vais vendre Nocturne et je pourrais push en pied. Parce que j'ai envie de montrer Riven, on a assez montré Nocturne. Oh, j'ai la MF qui vient de tomber aussi, bah dis donc, bordel. Après, là, c'est pas mal, c'est que. Bon, je pense que vous allez me dire go Riven, parce que MF, vous avez eu l'occasion de la voir pas mal de fois dans mes vidéos. Alors que la Riven, je pense qu'elle peut être très intéressante. Alors, l'idée avec Riven, ce qu'on va essayer de faire, ça va être d'aller chercher Riven 3, évidemment, soit level 7, soit level 8. Ça va dépendre un petit peu de l'état de notre game. Quand on est vraiment très bien et qu'on arrive à bien level up, etc. Peut-être qu'on va aller chercher le level 8 si à un moment donné on voit qu'on a plein de Riven mais que niveau PV c'est chaud. Chercher la Riven level 7 c'est une très très belle solution aussi globalement. On a les Irelia, on va chercher les Irelia plutôt que la Kalista et qu'on pourra également. Pour cette tire, j'insiste, ça peut totalement être une Oge pour Riven mais ça peut être aussi, et c'est peut-être encore mieux peut-être, un blue buff pour le calme. Alors en termes d'items sur la Riven, moi si c'était possible je pense que j'aimerais beaucoup faire un RFC. Après, est-ce qu'on va réussir à trouver un RFC en cette game? Bon, c'est pas gagné évidemment, parce qu'on a déjà eu un arc, ça veut dire qu'il faudrait récupérer encore deux arcs, ça paraît assez compliqué. Alors, je préfère la Hoche direct, et ça ferait instant un deuxième item. Après, c'est vrai que d'aller chercher la Deathblade, voire la Soif de Sang, c'est extrêmement intéressant, je trouve. Donc, la petite épée me paraît vraiment très bien. Et putain, j'aurais pris le brand, on aurait presque pu rentrer à Bo au final. Peut-être qu'il y a un monde où on va rentrer à Bo, hein, mine de rien, si je retrouve un monde. Après, j'aurais pas rentré à Bo tout de suite parce que je peux pas passer le level, mais j'avoue que là, comme j'ai Nunu, je réfléchis au fur et à mesure, la Bo est sympa. J'ai vraiment la sortie à Bo draconique aussi dans cette game, là j'ai eu l'embarras du choix. Bon, je pense qu'on jouera pas ça quoi qu'il arrive. Non, on est bien comme ça. Et l'épée nous permettra de faire encore une fois soit Deathblade. Soit BT, moi je trouve que la BT est un excellent choix parce que le fait qu'elle puisse se soigner à la Riven c'est extrêmement intéressant. Alors est-ce qu'il y a un monde où le Nunu on arrive à flinguer le Udyr? Non je pense pas, ça va être chaud. Après avec Brawler peut-être il y a moyen qu'on le flingue. Allez, allez Nunu, allez mange-le, il va le manger, nice, il l'a mangé. Bon à partir de là il y a que des level 1 derrière hein, donc alors, la Riven elle est giga strong en early en plus hein. Franchement c'est un sacré petit bout de femme cette Riven hein. Un sacré bout de femme, c'est une expression. Je pourrais presque passer le level là, mais bon. Nidalee, Kha'Zix. Et alors là, c'est assez intéressant. Parce que je pourrais rentrer 4 Dawnbringer également. Alors, est-ce que je push? Lui, je le bats. Il a pas slam d'item. Et je dirais que je le bats aussi. Mais c'est pas sûr. Je dirais que je bats les deux, moi, perso. En théorie. Donc je vais pas bouger. Alors j'ai scouté que ceux qui sont à 100 HP hein, parce qu'en théorie. Et y a un mec qui vient de passer 5. Évidemment je le tag. Donc là, alors il est passé 5 mais il a rentré qu'une Zira. Donc en vrai passer 5 pour rentrer juste une Zira, en théorie moi je l'aurais jamais fait tu vois, parce que l'upgrade elle est pas assez conséquente je trouve.
Après, effectivement, peut-être un monde où il cherche. Alors, il a pas slam d'item surtout, hein, donc le fait de passer 5 sans avoir slam d'item et pour entrer un perso aussi inutile, bah voilà, voilà ce qui se passe. Hein. Voilà, il faut jamais level up si vous n'avez pas un truc utile à rentrer. C'est un vrai conseil que je vous donne. Ça ne sert à rien. Là, il a level up, il avait rien d'utile à rentrer, bah il a pris la bite. Bah voilà. Eh bah c'est bien fait. C'est bien fait. Et du coup, il a plus d'économie. Et là, bah c'est très con pour lui évidemment. S'il avait scouté un petit peu et qu'il m'avait vu, il serait dit que comme il n'a pas slam d'item, il aurait eu deux items slam, je dis pas. Avec deux items slam. Enfin deux items slam, avec donc deux items complets parce qu'il a 4 items. Donc avec deux combinés il en aurait eu donc deux complets. Et là je dis pas ça aurait été fort, mais sinon c'était n'importe quoi. Bon, j'ai le choix entre la Deathblade et la BT. Les deux sont très bien. Et bah ce sera la Deathblade du coup. Là ça va faire moins de heal mais beaucoup plus de dégâts. Et en dernier on va essayer de faire soit une soif de sang, soit un RFC, voire une Hoge. Parce qu'il faut un item un peu défensif. Le RFC, on va dire qu'il ne soigne pas, mais il a un effet d'économiser les points de vie, parce qu'on va pas dans la mêlée. Donc il y a un côté utilitaire. Alors. Donc là la question c'est est-ce que ça vaut le coup d'enlever les légionnaires pour entrer 4 Dunbringer. Je crois que la réponse est non. Les légionnaires c'est vraiment très important je trouve. Pour booster les dégâts de la Riven. Et ça lui donne du heal aussi. Le fait d'avoir les légionnaires. Donc c'est quand même vachement important. On a tagué de suite les deux concurrents à 100 HP. Il a slam un croc du dragon sur son. Bah c'est lui, il a pris la MF pour faire un croc du dragon sur son Vlad. Sauf que évidemment contre moi le croc du dragon l'utilité est extrêmement moyenne hein, évidemment. Extrêmement médiocre. Et selon toute vraisemblance nous devrions le démonter. J'espère. En plus on a la chance le Vladimir il focus pas la Riven. Mais bon dans tous les cas il a même pas tué Nidali. Et là vous voyez là on est lancé, ça y est la Riven. Quand on l'a très tôt comme ça la Riven, ce que j'explique exactement. C'est marrant parce que cette game c'est l'illustration totale de ce que j'explique dans la vidéo de Lost Camp Position. Bon je vais pas chipoter pour un gold comme on est à Winstreak. On va vraiment essayer d'aller chercher les upgrades Nulu 2, Riven 2. Ça me paraît très intéressant ici pour le coup. Et j'imagine qu'on va essayer de rentrer 4 Dunbringer derrière, hein, de toute façon. Je pense pas qu'on joue à Beau parce que j'ai Kalista 1. Et très vite, dès que j'aurai Irelia, on va chercher à rentrer Irelia. Parce que dans cette compo, on a Irelia, Nidali. Donc si vous comptez bien, ça fait déjà 2 skirmishers. Donc on a plus qu'à rentrer un troisième skirmisher alias Jax. Et on peut très facilement avoir skirmisher avec Jax. Et avec Jax, on peut très facilement rentrer Rael qui donne Ironclad. Donc c'est vachement intéressant pour nous protéger de tous les dégâts physiques, hein, d'avoir plus d'armure sur toute notre team. Ou aussi on peut rentrer éventuellement Viego qui est très bien. Et voilà, bim, bim bam boum. Alors par contre je peux vendre les Kha'Zix parce que effectivement on va vouloir rentrer Soraka plutôt, qui va peut-être porter le stuff de Karma. Donc on peut imaginer vendre les Kha'Zix, qui finalement ne nous apporte rien si on joue que 4 Dunbringer. Alors si on trouve pas Soraka ça fait chier, mais on peut aussi retrouver un Kha'Zix 1 parce qu'on vend des Kha'Zix 1. Donc si on rentre un Kha'Zix 1 ça revient un peu au même. On aurait pu avoir Kha'Zix 2 mais le gold d'intérêt supplémentaire va vraiment nous booster l'économie. Nous mettre nous permettre d'être à 30 gold en fait. Et ça c'est extrêmement fort. On a Aatrox mais pour l'instant je pense qu'on préfère largement avoir la Kalista. Là l'idée en théorie c'est de jamais s'arrêter avant le level 8. Voir si on voit qu'on est vraiment extrêmement bien. Si on voit qu'on arrive à avoir Riven 2, qu'on arrive à push 9 très vite. On peut également s'imaginer que la Riven ne soit que un moyen d'arriver très vite à une légendaire comme Akshan notamment. Parce que si on arrive très vite level 9, on full légendaire level 2 et on est bien. Oh là là, l'arc est excellent ici. Alors ça peut nous donner RF, ça peut également donner un Last Whisper, hein, pourquoi pas. J'ai 4 brawlers en vrai. Ah, intéressant. De toute façon là je level up. Hein. Je vais garder ma win streak. Aphelios, bon bah du coup on va pas prendre le Aphelios ici. 7, ah, j'aimerais bien trouver une upgrade quand même. Karma, bon bah Karma est bien par contre. Donc là j'ai le choix entre 4, non 4 Dunbringer c'est mieux je pense. Et donc ça ça dégage, ça ça dégage, ça ça dégage. C'est con hein, parce que je suis one of Nunu, one of Riven. Je me dis que j'aurais bien aimé trouver l'un des deux mais bon. C'est dommage. Ah c'est con ça, du coup la tire ça va aller sur Karma quoi qu'il arrive. Et l'arc va pas forcément aller sur Riven parce que potentiellement on va peut-être faire un item radiant sur Riven aussi hein. C'est clairement une possibilité hein. Si je trouve un bon item radiant sur Riven. Donc on va pas se précipiter à mettre l'arc qui nous empêchera de mettre des items radiants derrière hein. Surtout si on a trouvé le level 2 on pourra plus vraiment faire le changement. J'espère vraiment que je perds pas de fight hein. Si je perds ce fight ça va tranquille je crois. Ok parce que j'ai quand même un coup roll pour essayer de trouver une bonne upgrade pour ma team.
On n'en a pas trouvé de prime abord. Mais j'ai quand même trouvé une karma, ce qui est pas mal. Mais là c'est vrai que c'est dommage hein. On se dit que si on trouve la petite upgrade, on est les kings. Je me permets encore deux petits rolls. Ah, j'aimerais bien en avoir une là. Bon du coup j'ai peut-être un peu trop roll, mais bon voilà, attends, je trouve une upgrade hein. C'est pas la panacée, c'était pas la priorité, mais je trouve Irelia 2 c'est extrêmement fort quand même. Mais ça le fait, ça le fait. It's ok. It's ok Coral. La priorité c'était quand même cette Riven. Mais bon. Là par contre on a pris des risques. C'est vrai que si j'avais pas roll, on aurait pu perdre. Parce que j'avais une bonne école là. Maintenant comme on a roll, on peut plus se permettre de perdre. On veut garder la win streak. Bon, on tombe sur un mec qui a Abo mais qui a tout level 1, donc évidemment il n'y a pas trop de problème. C'est le moins qu'on puisse dire, lui normalement on devrait lui faire son affaire si j'ose dire. Après chaud quand même un petit peu hein. Bon, enfin chaud. Il me reste 3 persos pour l'instant. Oui, il me reste quand même 3 persos sur 6 donc ça va. Bah, Labo Sunfire, ça fait pas mal de dégâts en début de partie. Nidali, bah regardez. J'ai 4 doublons. Bah, après là on a un petit manque de réussite qui paraît évident là quand même. Hein. J'ai envie de garder la win streak, hein. J'ai presque envie d'aller à 10 gold hein, si je trouve les upgrades. Putain j'ai Jax, wow. Ok bon là normalement c'est caviar normalement les amis là. Là c'est censé être caviar total et radical. Et là maintenant on roll plus jusqu'au level 7. Mais c'est vrai que c'est con, mais quand t'as 4 upgrades comme ça, tu te dis que t'en trouves soit une excellente genre Riven, soit deux moyennes, les trois là. Et tu perds plus jusqu'au loup. Donc là je me dis que à partir du moment où on perd plus jusqu'au loup, ne serait-ce que pour la win streak et pour l'économie de PV que ça va nous faire, dans tous les cas, bah on est rentabilisé je pense. Quoi qu'il arrive, là on est clairement rentabilisé. La Riven elle va défoncer tout le monde. Et je vais être l'aspic certes, mais si jamais on arrive à avoir un gant sur un malentendu. Alors idéalement un gant, idéalement un arc pardon. Sinon éventuellement un gant pour un last whisper. Sinon bah une tire pourquoi pas pour faire un blue buff sur la Kalma. Kalma. Skin notre mec qui win streak. C'est le mec que j'ai défoncé avec son Vladimir. Alors les spats m'intéressent moyen, même si ça pourrait nous permettre de faire une spat Dunbringer. Bon l'arc va gicler j'imagine, l'arc il est vachement contesté de toute façon. Bon en étant l'aspic je me fais pas de grandes illusions mais... Sinon la tire est très bien, par contre les spats partent donc il reste encore l'arc. Ah je suis deg. Non il part dommage. J'ai pris l'armure. Mais je suis pas sûr hein. Après ça me fait 2 Jax. Ouais c'était peut-être juste la... après la spat me chauffe pas trop non plus quoi. Ça me fait 2 Jax. Alors là évidemment j'aimerais bien rentrer le Jax mais bon je peux pas vraiment level up. Franchement il y a un monde hein. Je pense que si j'ai 30 je level up je pense. Si j'ai 30 je level up tous les jours 100%. Parce que je peux pas me permettre de perdre dans cette game. Si je perds ma game s'arrête globalement, c'est aussi simple que ça. Après la baguette faisait archange mais archange sur karma je suis moyennement fan de l'item. Parce qu'elle a très vite peu de mana donc elle scale très vite très peu, enfin trop peu je dirais. Alors là c'est l'autre mec en win streak que j'ai déjà niqué une fois. Au vu de ce qu'il a et de ce que j'ai, il n'y a pas de raison qu'on le nique pas une deuxième fois là. Même si ma Riven elle a mis du temps à arriver dans le fight, qu'elle a toujours pas casté. Normalement j'ai une Riven 2 avec ce stuff contre en face un carry qui est plutôt un Vlad 2. Ça devrait bien se passer, je suis en 4 Dunbringer. Donc ma Riven, il n'y a pas d'anti-heal en face, donc ma Riven se met régulièrement full vie. Et elle régénère aussi un petit peu avec Légionnaire. Donc voilà, un fight très honorable je dirais, les avis très honorables, c'est le mot que je cherchais. Alors là idéalement soif de sang, Oge, RFC, c'est vraiment très bien. Potentiellement un item AP sur Karma qui me plairait moins, mais sinon un item utilitaire, pourquoi pas. Alors Sunfire c'est pas un mauvais item, sinon on fait IE sur Riven et on fait une Riven full dégâts. Hein. Moi je suis moins fan, mais il n'y a pas d'item AP. Je peux faire 2 Deathblades si. Je pourrais faire 2 Deathblades. Hein. Mais autant faire une IE pour lui donner du crit quoi. Sinon c'est une Sunfire pour de l'anti-heal tout simplement. Ce qui se comprend aussi en soi. Moi ouais, tant. Parce que je pourrais quand même faire mon RFC ou mon Last Whisper je pense. Hein. Ouais on va prendre du heal, allez on va prendre de l'anti-heal, vas-y. Moi je pense que ça se comprend cette Sunfire en vrai. J'aimais bien l'idée de prendre la lame d'infini honnêtement. Mais je me dis que j'ai un arc. Que si mon arc il se termine pas en RFC ou en Last Whisper, ça va être moyen comme item cet arc. Alors que franchement l'anti-heal c'est quand même vachement intéressant. Surtout quand je vois cette Irelia Warmog, là je suis bien content d'avoir la Sunfire qui va brûler ses PV là. Donc allez let's go, c'est parti.
Babados. Ok. Et bon, c'est quand même un très bon item de Windstreak, la Sunfire, hein, quoi qu'on dise. C'est super fort. Hein. Voilà, donc là, tranquillement, on va rentrer Jax. Et là, bon, c'est vrai qu'on aimerait bien trouver une Nidalee 2, un Ulu 2, un Gragas 2. On va quand même avoir tendance à plutôt aller au level 8, j'imagine, dans cette game. Plutôt que de roll au 7 pour trouver la Raven 3. Hein. Parce qu'au 8, on a des chances plus facilement de trouver Karma, on peut trouver Garen, on peut éventuellement se dire qu'on rentre un Volibear. Pourquoi pas un Viego à la place du Jax si jamais. Il y a moult possibilités qui s'offrent à nous. Oh, c'était tellement spat. Ouais, la spat, ils vont appeler, c'est la prendre l'autre. C'était tellement. Mais Crésus orienté. C'est dit, je ferai une spat cavalier sur Rel. Plus Rel, éventuellement, avec Jax. Je trouvais une upgrade. Bon, le Teemo ne m'intéresse pas dans ma compo. Ok. Bah là on est pas mal là franchement. Alors la question c'est dans quel monde je vais faire une spat cavalier. Parce que spat Télion, c'est pas fou. Spat régénérateur sur Karma, je suis pas fan. Ah, j'en peux faire un coup de main de Nico. Alors j'ai pas trouvé de Riven dans mes rolls. C'est important de noter parce que Riven 3 c'est quand même vachement important. Surtout que là on commence à arriver à un stade où bah le fait que la Riven soit pas. Ouais, bah, je perds maintenant. Ah ça c'est vraiment con si je perds là. Bah on arrive à un stade terrible. Ça c'est dur de perdre là, franchement on arrive à un stade de la game où effectivement le fait qu'elle ait passé 3 items ça va commencer à être chiant. Et la fâche. Pfff, pas défoncé hein. Ouais la MF elle est trop bien stuff hein. J'aurais eu un petit RFC en 3ème item sur Riven, je pense que je gagnais mais. Ah, c'est compliqué cette game là. C'est épais mais presque envie de faire Shojin sur ma Karma hein, au final. J'ai une Titan Riven. Attends, Titan sur Riven, c'est pas dégueu, mais bon. C'est pas non plus la panacée, quoi. Est-ce que je fais du stuff sur Karma ou est-ce qu'on s'en tape de Karma? Bon, je peux te s'en va jouer 4 Dunbringer, c'est sûr, en vrai. Parce que je pourrais toujours attendre d'avoir une BT sur Riven, en vrai. Mais ça fait chier d'attendre si longtemps, on va dire. Bon là pour les PV c'est moins bien, pour l'économie c'est moins bien d'avoir perdu là parce que mon économie était pas bon en plus. A chaque fois on a vraiment essayé d'être le plus fort possible pour garder la win streak mais. Surtout que là lui en face il a trouvé en 4-2 il a tout level 3. C'est fort en 4-2 d'avoir tout level 3 hein, il va me défoncer lui. C'est marrant hein, souvent quand je commence à perdre un fight j'en perds trop 4 de suite derrière. Je sais pas si ça vous arrive aussi. C'est après les deux que j'ai tagué je pense que bon tu vois lui il a 0 gold, l'autre il avait beaucoup roll, il était en win streak. Je pense que j'ai tagué les deux mecs les plus forts de la game avec moi là à mon avis. Surtout lui qui a 0 mais bon. Il a tout level 3 donc il va gagner pendant un petit moment. Mais le fait qu'il soit à 0 je pense qu'il va avoir du mal à se relever de ça quand même hein. Quand t'arrives à 0 comme ça c'est compliqué derrière de te relancer on va dire en général. Alors Réfléchissons. Parce que si je perds là, potentiellement je serai plus la speak. Ce qui est bien et pas bien, parce que ça veut dire qu'on a perdu les points de vie. Mais bon, après, je crois que je gagne là, non? Ouais, je gagne de peu, mais. Bon du coup je vais quand même être la speak évidemment. Bon je m'attendais pas à pick en 3ème position de toute façon hein. Je m'attendais à être la speak hein. Surtout que les deux mecs derrière ils ont perdu aussi. Donc bon j'avais beau perdre hein, j'ai envie de dire hein. Autant gagner. Alors moi j'aimerais bien jouer Garen dans cette game clairement. Après c'est pas la priorité d'item que je veux hein. Vous avez bien compris que là on veut un item pour la Riven idéalement. Donc plutôt le Négatron ou plutôt l'Arc je pense. Après le problème c'est que j'ai trouvé 0 Riven depuis tout à l'heure hein. Un vrai problème ça. J'imagine que Garen et Volibear vont être quand même pas mal pick. Non. Alors le Négatron est parti donc il me reste surtout mon Arc là. Ah bon, on a pris mon arc, super. Ça c'est pas bon ça. Ça c'est notre goût ça. Bon j'ai une deuxième épée. Je peux faire deux Deathblade quand même, on n'est pas chez les animaux. Non je pense pas, j'aurais pu tout à l'heure avec l'item Radiant mais bon. Bon je vais faire une chaîne sur Karma. Et en dernier bah... Alors je préfère une spat skirmisher sur la Riven. En vrai de vrai. Ce qui me ferait skirmisher alors ce qui lui donnerait un petit shield et ce qui lui donnerait bah, évidemment un petit boost d'AD.
Donc c'est une possibilité, ça veut dire qu'on enlève Jax derrière et qu'on pourrait rentrer par exemple Hiverl plus Volibear pour booster un petit peu tout ça. Et je préfère une Titan sur ma Nidalee. Parce que la Nidalee avec Skirmisher, si on arrive à la passer level 3 en plus, ça peut être une Nidalee assez efficace hein, quand même, hein, mine de rien. D'ailleurs c'est presque ce que je pourrais, parce qu'il y a quand même de grandes chances qu'on ait 0 item, donc je crois que c'est ce que je vais faire directement, tant pis. Alors, en général au loup, vous avez remarqué j'imagine, depuis qu'il y a cette mécanique de forge qui donne beaucoup de thèmes en early, bah on a plus grand chose au loup. Ce qui est bizarre, j'ai envie de dire, il vaut mieux que tout le monde ait ses items tôt que t'as des mecs qui étaient tout au début de partie et des mecs qui étaient tout au loup. Mais du coup il faut rien attendre des loups, j'ai envie de dire globalement. Voilà. Il faut rien attendre d'eux. C'est des salopards les loups. C'est des salopards. Sauf Johnny, parce que Johnny c'était un loup. Que Johnny. Ah il me manque Johnny. Il me manque. Johnny, 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 Johnny. Karma. Alors, Riven, Karma, Nidalee. Je vais quand même regarder pour les Riven, mais je crois pas être super contest dans tous les cas. Alors, lui, il a une Riven, mais elle porte vraiment le stuff en attendant qu'il puisse pivot, j'imagine. Ouais, j'imagine. Là, clairement, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et il me semble pas que d'autres personnes aient des Riven quelque part. C'est l'avantage de Riven, hein, c'est que quand t'es pas contest par un autre joueur de Riven, bon, t'as rarement des Riven. Bon, là, évidemment, t'as un mec qui a Riven 2. C'est un perso qui se rentre rarement en dehors de Riven Carry, quoi. Évidemment, là, il y a le mec qui joue Riven 2. Mais. T'as pas vu qu'il y avait Riven 2 il y a 2 secondes là? Non, c'est pas lui. Ils sont deux sur Yasuo en fait. Une belle Diana lui par contre. Mais elle ultique que sur ma Karma. Après, je vais faire éclater. Après, lui, j'ai level 8, il a 0 gold, hein, contrairement à moi. C'est un peu logique qu'il m'éclate. Mais c'est vrai que bah, le fait qu'on ait perdu la win streak ici très tôt, c'était chiant parce qu'on avait roll pour stab et pour la win streak quoi. Malheureusement, on avait trouvé Nidalee 2 d'ailleurs. C'est pas mal. Ah, ça c'est pas mal cette Karma 2 là. Après Karma a été up, mais pff, je trouve ça mou quand même Karma. Moi j'ai du mal avec le perso, hein, vache. Beaucoup de mal avec le perso. Après, si on lui rend incantateur, elle va caster un peu plus vite, ça sera un petit peu mieux je pense. Mais un peu de mal avec ce champion quoi. Après, faut surtout se dire que j'ai Jax qui sert à rien là concrètement. Peut-être pas. Hein. J'espère que je vais pas avoir un arc ou un négatron. Après c'était chaud de rester 2 tours avec 4 items non utilisés, c'était chaud. Et donne-moi un coup de main de Nico ou juste des golds. Ou rien au pire. Ouais, y'a rien comme d'hab. On a l'habitude comme ça. Alors je vais tempo un fight. Alors en théorie évidemment je veux pas jouer Nunu, donc il va gicler je pense aussi. Quoique on verra. Je pense pas que je vais le jouer. Alors attends, c'est lequel qui a. T'as lui full windstreak qui a refait son écho hein, en vrai. En même temps il a bien touché, il a des systèmes de fou surtout. C'est lui qui arrive là, hein. Mais j'avoue que ça arrive. Je sais pas ce qu'elle branle encore là. Alors après, il est tellement loin d'Yasuo 3. Ils sont deux sur Yasuo, donc tu vois, j'ai vraiment envie de garder Yasuo comme ils sont deux dessus à allumer du stuff. Je me dis que si en plus je deny des Yasuo, il n'y aura aucun d'eux qui aura Yasuo 3. Et comme ils sont susceptibles de prendre mes Riven pour rentrer légionnaire en plus, même si c'est assez rare, en théorie, je me dis que c'est mieux pour nous quoi. Oh, la Syndra qui balance Riven sur l'ulti de Vel'Koz quoi. C'est chaud là. Il va pas perdre que je vois ce qu'il y a dans la mécanique de backup. Il va gagner, fait chier. J'ai l'impression qu'il y a une spade dans la mécanique de backup. J'espère vraiment trouver de la Riven là. Alors j'ai trouvé Akshan. Alors est-ce qu'il y a un monde où on peut pivot Akshan? Moi je pense que c'est chaud perso. Surtout que là j'ai 5 Riven, donne pas envie de pivot action hein. En vrai. J'entraîne une Lux mais elle apporte rien pour l'instant. En fait le truc c'est qu'il faut vraiment que je trouve Garen, Volibear, Hiverne serait bien hein. Parce que 4 légionnaires, je trouve que ça sert pas à grand chose. Après, elle a pas de heal, ça pourrait faire plus de heal sur ma. Peut-être que je pourrais rentrer 4 légionnaires. Hein. En vrai, oui, not essayer, hein. J'ai jamais essayé avec 4 légionnaires, mais comme ça a été récemment, légionnaire. Après, 4 légionnaires sans spot légionnaire, moi je trouve ça un peu chaud, mais bon. A voir, hein. Sur la luxe, elle me chauffe pas du tout.
comme ça pour l'instant. En sachant que j'aimerais bien avoir Hiver et Evoli quand même. 4 légionnaires, 4 Deadbringer, 3 skirmishers. Why not, hein? Why not? Après, là, ce qui me manque, c'est les level 3 principalement. Le reste, c'est pas très important. Alors, il a un gros hammer avec 2 items super forts. Mais il a pas de 3ème item dessus. Mais bon, comme moi, je me sens un peu moyen là dans la game. Le fait qu'il ait pas de 3 items sur hammer, ça va pas m'aider, quoi, je crois. Ok, c'est le downscale là. Alors, c'est vrai que souvent, quand t'arrives pas à choper ta Raven 3, c'est ce qui m'arrive. Hein. Alors, est-ce que j'ai assez de PV pour assurer au moins le top 4? Ça m'a l'air ok, hein, niveau PV. Nightbringer, pas ouf. Revenant, ça pourrait être ok. Sinon, c'est la Riven. Hein. Avec Spellcrit pour Karma si jamais j'arrive à faire Riven 2. Ça pourrait être Revenant, mais je pense que j'essaie de faire Riven 3. C'est mon out. Hein. C'est ma yaout. Alors, bon, je crois pas que dans la mécanique de backup, il y a un dé de la pipe. Il me semble pas. Malheureusement. Il y a les deux Yasuo qui sont sur le point de mourir. Il y en a un seul. Il y en a un qui est déjà mort en fait. Il y en a un qui est mort. Donc oui, les deux sont sur le point de mourir. On s'en souvient, il y en a un qui est mort. Pas un petit coup de main. Ça. Ouais, c'était bien une spade, j'avais raison. Tout le monde avait des fans. Oh, spade de cavalier, mais ça me sert à rien du coup là. Ça me sert vraiment à rien là. Karma Irelia, ouais. Bof. La Riven. Oh, j'ai un Yasuo 2, mais bon. Pour moi, il y a un petit côté temporaire dans ce Yasuo pour moi. En vrai. Ah ouais, je me vois pas garder 4 légionnaires honnêtement dans cette game. Moi j'aurais bien rentré Volibear et tout. Volibear Hiverne, mais j'ai trouvé 0 Voli, 0 Hiverne après tout. Donc je me dis, est-ce que je prendrais pas le Yasuo 2 de toute là je me fais tellement. Le pire c'est que je me fais éclater par les mecs qui ont pas d'HP quoi, tu vois. Donc ça c'est vraiment un vrai problème parce que du coup ils vont pas mourir et moi je vais mourir du coup. Bon, de toute façon, je suis quasiment mort, autant l'acheter. Hein. Après, oh non, on va pas faire top 6 quand même. Pas maintenant, pas comme ça, Zilidin. Ma Riven ne sert à rien, mais bon, je suis un peu sûr que l'item Skirmisher. Ça va pas l'air d'une efficacité redoutable, hein, franchement là. J'ai un super Viego, mais là je peux pas trop le rentrer. Hein. Super Viego. J'ai jamais trouvé Skirmisher comme ça quoi. J'ai Rel. Je peux enlever Nunu et. Spisma Spat. Bon, c'est une petite upgrade hein. C'est pas l'upgrade prioritaire du tout pour nous, mais bon. Hein. C'est pas la panacée quoi. C'est ok quand même. Aïe 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 aïe. Le Volibear en face il va être monstrueux là, je crois. Hein. Ah, vraiment, c'est que mal à Marivan sans RFC, sans BT et tout. J'ai l'impression que c'est un peu dur quoi. Et là, elle se fait full stun et. Ah là là, je suis mort les amis là, je crois. Ah, je suis tellement mort! Non! Y'a pas un monde où les deux ils meurent sur un malentendu de ouf là? Ah non, l'autre il a gagné, putain, terrible. Ah, les deux vont gagner? Non, ça va. Ah, je suis deg! Je suis deg, elle était trop bien partie cette game et. Bon bah, morale de l'histoire. Je pense que j'ai trop roll au 6, à mon avis. Quand je passe 6. Je pense que j'aurais juste dû avoir mon board et rush les levels. Parce que j'ai utilisé trop de gold au level 6 où j'ai trop peu de chance d'avoir une Riven en fait. Du coup ça m'a niqué. Voilà, à mon avis ça se joue là à mon avis. Très clairement. Si à ce moment là je reste 6, je pense que je peux gagner encore quelques fights comme ça. Au pire quand je perds, je perds. Mais à mon avis là ça nous a planté ce que j'ai fait là. Donc c'est ma faute. Je le prends pour moi ce top 5 du coup hein, à mon avis là. Du coup, je jouerai pas Even dans mon stream lol. Merci de suivre cette vidéo, c'était Talk. Et je vous dis à très vite tout le monde. Ciao.